Ok, donc ça c'est ok. Ensuite, on a dit, on va aller faire les devoirs du professeur Onai dans la tour de divination. Donc pour ça, il va falloir qu'on rentre dans l'école de manière classique. Je suis plus rapide, bah tu m'étonnes. Si déjà t'as ta troisième épreuve, j'ose même pas imaginer comment t'as de... Combien t'as de d'amélioration de balai encore, tu vois. Apparemment, eux, ils se tapent sur la gueule, mais genre vénère. Vous allez pas plus vous taper que ça ? Revelio. Confringo. Oh, you, y'a Peeves. C'est le meilleur Peeves. Ok, cours de divination, c'est parti. Qu'est-ce que vous mijotez ? Oh, ta gueule. Et par contre, s'il faut vraiment accéder par échelle au cours de divination à chaque fois, c'est relou de ouf. Revelio. En fait, ils jouent au tarot, ils font pas de la divination. Elle est contente. Elle fait un kamehameha, là. Ah, tu as le Sinistros. Ah mais je suis là-bas moi. Je m'étais pas vu. Ok, ils sont contents, ils font des cours. C'est tellement de choses. Mais c'est pas tellement de choses, c'est la divination. J'espère que ces devoirs ne vous ont pas semblé... Une statue de demi-guise. J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onai. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Bah, en même temps, j'ai pas vraiment fait de devoir, en fait. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Dis-moi tout. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve ? Waouh ! Puisque vous savez que le présent et même le passé peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve ? Je vois du pouvoir ! Il y a du Avada Kedavra dans le coin. Je vois du pouvoir ! Je vois de bonnes choses. Après tout, l'avenir m'appartient et je prendrai ce qui me revient. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Les plus volontaires peuvent en changer la teneur. Et vous ? Vous ne semblez pas manquer de volonté. Oh que non. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Bah, je t'en prie. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve... Moi j'ai mis je ne sais pas. Et elle t'a dit quoi du coup ? Alors, pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Et apprends-moi Dicendo, par contre. Canalisez votre magie vers votre cible. Vous le maîtrisez. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer le...
mannequin d'entraînement. Descendo. Excellent. Ça, j'aime beaucoup, par contre, parce que ça ramène la gueule du mec à terre. Genre, ferme ta gueule. Tu sais, tu le regardes comme ça dans les yeux, tu vois. Il t'énerve. Là, tu lui fais... Ferme ta gueule. Vous allez devoir cesser de vous entraîner et mettre vos compétences à l'épreuve hors de la classe. Oh, j'adore ce sort. Ferme ta gueule. Oh, j'adore ce sort. Attention. Ferme ta gueule. Meilleur sort du monde. Ok, ça marche. Du coup. Donc là, j'ai Descendo. Ça, c'est cool. On va aller partir sur récupérer Alomora. Tu fais le combo Levioso et Descendo, c'est violent. Ah bah tu m'étonnes. Bah du coup, oui, effectivement, Levioso, Descendo, tu m'étonnes, combo de ouf en fait. Du coup, on met ça là. Ce Expelliarmus, en vrai, je l'aime bien comme ça. En vrai, je l'aime bien. Et en fait, à la place de là, du coup, on va mettre Glaciation... Enfin, Glacio. Glacio ? Glacium ? Glacius. Glacius et Diffindo, parce que Diffindo et Glacius, c'est le meilleur combo. Et avec, du coup, bah, Axio quoi ? Incendio. Combo de ouf. Les ok pour moi. Et tu ajoutes Repulso, le carnage. Non, bah non, je vais garder ça, du coup. Je vais garder ça. Mais Levioso, Descendo, par contre, ouais. Bon petit combo là. En route pour de nouvelles aventures ? Bah écoute, on est bien parti pour. Hein. Là, on va aller apprendre Alomora. Comme ça, je vais pouvoir jouer hors live et finir d'explorer le château. Mais je sais pas qui c'est, Moon. Ah, si, c'est le concierge, je crois. Mec qui a peur des demi-guises, justement. Là, dans le combo, Levioso, Descendo, plus Repulso. Ah, mais je vais pas utiliser Repulso, moi. Je vais pas utiliser Repulso. Là, je suis très bien avec Expelliarmus et... Avec Expelliarmus et... Confringo. Ah, je vais garder juste Levioso, Descendo, et ça partira sur du Expelliarmus, Confringo, du coup, derrière. Monsieur Moon. Ah, une petite statue de demi-guise ici. Mec qui a peur des demi-guises, justement, je me rappelle de toi au début. Rebonjour, monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. À votre service. Ouais, bah... Veuillez d'abord m'excuser. Ruzard si est plus classe. Quelque peu. Et j'ai Bombarda, c'est vraiment de la bombe. Tu m'étonnes. Bombarda, je suis impatient de l'avoir. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. Ça va. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. Ouais, je sais. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Dis-moi tout, frérot. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe à ce qui se passait la nuit ou le jour. Devient invisible, d'accord. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Oui, ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Ah vas-y, je te suis. Ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard.
une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise ? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Oh, pauvre chaton. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Si tu veux, pourquoi ça me va. À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Olar prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Elles sont trop mignonnes, les demi-guises. Vous avez vu qu'elles m'affectaient tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. C'est mon animal fantastique préféré. La force de m'en approcher. Avec les sombrales. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Mais est-ce que comme Ruzard, t'as un craquemol, toi? C'est ça que je veux. Ce serait un plaisir de vous aider, je ne veux pas m'attirer d'ennui, qu'est-ce que j'y gagne? Bon non, c'est un plaisir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, moi, je reste un pote, vous avez lancé un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Mais, et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Bon, bah, t'es pas un crack, moi, le dis. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. C'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Ok. Bonne chance. Donc l'infirmerie, c'est la dernière coupe de cheminette qui me manque. Donc bah, c'est parfait. Et bah voilà, on est à Alohomora. Le mec sur le tableau, c'est le fantôme qu'il y a dans la quête exclusive sur PS5. Lui là, le mec vénère là. Celui-là là. Ok. C'est la dame grise ça. Je te reconnais, Elena Serdaigle. Toi t'es vieille et moche. Toi t'es un bon gars. Il s'appelle Fastidio. Ok. Et toi t'es en train de te faire chier dessus par un... Ok. Chamé. Ce portrait représente le sorcier Barufio, célèbre pour son élixir cérébral. Un exemple de ce qui arrive lorsque des incantations ne sont pas bien prononcées. Après qu'il prononça un B à la place d'un V, sa femme se retrouva avec un bison sur les épaules. Ah oui, bah oui, un bison plutôt qu'un vison. Très rigolo. Ok. Oh, puis là-haut, là, il y a plein de trucs, là. Oh, là, il y a plein de trucs, là. Alors, il m'a dit, il faut que je me désillusionne. Hop là. Et on part sur Alohomora. Oh putain! Utiliser L et R pour déplacer les installes et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés pour la serrure. Quoi? Attends, je comprends rien. Attends, je comprends rien. Pour les PC et faire pivoter les cadrans, est-ce que les mécaniques correspondantes soient activées? Comment ça, les mécanismes correspondants? Comment ça, les mécanismes correspondants? Je comprends que dalle. J'ai galéré de ouf. Bah, j'aimerais bien comprendre, moi. Alors là, ça marche. Thank you.
Ah, d'accord. Bravo. Ok, c'est un concept. Réveillez-vous. Avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite. Pourquoi la dame grise, elle se balade par là? Allô, Mora. Ah, c'est quand même plus facile dans les films. Ok, donc toi t'es là. Et toi t'es là. Ok, c'est un peu comme dans Skyrim. Réveillon. Très chère Mirabelle, ma charmante Dorothy m'a demandé de tes nouvelles. On va la convaincre de venir boire une bière au beurre ou deux si tu nous rejoins. Cela fait très longtemps. Lorsque tu pourras passer, je me demandais si tu accepterais de te séparer de quelques-unes de tes plantes. Les odorantes, en fait. Depuis l'attaque du troll, les clients se plaignent de l'odeur de chaussettes sales, crois-le ou non. Et je n'arrive pas à me défaire de cette puanteur. J'espère te revoir bientôt, avec ou sans les plantes, ton ami Sirona. Donc ça, c'est le bureau de la prof de... la prof de potion. Ok, c'est la chambre de la prof de... Bah oui, je suis con, on est dans la tour des professeurs, bah oui. En fait, c'est moi, galère en premier, et du coup, toi, tu le fais après, easy. Bah non, mais en vrai, genre, le premier, faut comprendre. Mais après, en fait, ça va, parce que c'est... C'est le même truc que dans je sais plus quel jeu. Je crois que c'est... Je crois que c'est dans Skyrim, je crois, du coup, c'est à peu près le même délire. Et en vrai, ça va, tu vois. Une fois que t'as compris comment ça marchait, en fait, c'est en vrai, ça va, tu vois. Mais faut comprendre, quoi. Ah ouais, putain. Apporter des lunes supplémentaires à Gladon. Ah, c'est comme ça qu'on améliore. Ok. Ah bah oui, je te confirme qu'on va partir sur une grosse exploration de Poudlard hors live. Hein. Professeur Fig. Ah bah, c'est la chambre de Fig, du coup. J'ai bien reçu votre dernier hibou. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction pourtant peu récente de la pénalité de Tazbut au Quidditch qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir des gardiens de Quidditch se faire aplatir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à vous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes. Et dès qu'il y aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête soit menée, si mon emploi du temps le permet. Nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous, et vous pourrez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder deux places pour la finale de Quidditch de la saison. Je suis sûr que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Très cordialement, Faris Pavil, ministre de la magie. Ok. En trouvant plein de demi-guises, tu améliores le moral. Bah oui, du coup, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va en trouver de ouf. Rébellion. Alors ici, on a ça. Ça veut donc dire que on a... j'avais pas vu ça. Ça veut donc dire qu'on a une clé dans le coin. Ah oui, ça, c'est niveau 2. Ok, c'est vrai. Lancer Révélio révèle les figures d'autorité et les emplacements ennemis, vous permettant de faire un éclaireur et de ne pas être détecté. Ok. Bah ils sont où? Ah, ils sont là-haut. Les elfes de maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu par ce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cache de pétards surprise est tombée derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Peeves. Je vous prie de vous montrer vigilant, Mathilda Wesley, directrice adjointe. Réveillon. Et est-ce que je peux utiliser Petrificus Totalus sur le Kemet? Ah là, il y a la clé. Là. Je vais essayer. Tu peux pas du tout utiliser Petrificus Totalus sur les préfets. Dommage. En plus, c'est un préfet de Poufsouffle, ça aurait été rigolo. Par contre, ça veut dire que là, va falloir que j'améliore de fou ma furtivité. Et bah après ça, il me restera plus que deux jetons pour ouvrir le coffre. Hein. Merde, j'ai raté.
Il ne restera plus que 2 jetons pour ouvrir le coffre. Pouf-souffle les victimes. Bah un peu, ouais. Réveillez-vous. Alors attends, parce que là du coup ça veut dire qu'il faut que je m'amuse à faire des trucs là. Il va voir ce qui se passe, sac à merde. Et voilà, faut que je calcule, putain. Araignée et 5. Putain merde, j'ai pas préparé la photo. Merde. Araignée et 5 et dragon et 3. Ok putain. Pardon, t'inquiète pas, on va réessayer. Faut que je prépare la photo, je l'ai pas préparée, pardon. Ok, alors, araignée et 5, ça fait 8 et 5, ça nous fait 13. Ok, 13. Et dragon et 3, ça nous fait 5. Donc on a 13 et 5. Et du coup, ça a débloqué tout ce que j'ai chopé là, ouais. On a 13 et 5. Ok. 13 et 5. J'ai pas calculé les trucs en haut. Ok. Hop. On a remis la photo. On va voir ce qui se passe là-bas, bonhomme. Alors, on a 13 et 5. Ok. Ok. Donc là, il nous faut... Voilà, demi-guise, c'est parfait. Ensuite. Oula. Oula. Mais d'où t'es apparu là, toi? Ok. Et l'autre, c'est 14. Et on a 5. 5 pour aller à 14. Bah 9. Et 9, du coup, c'est la sorte de truc bizarre. Ok. Donc va regarder par là. C'est ça. Et là, normalement... La tour des prophéties, on espionne les prophéties. J'en ai rien à foutre, c'est ouvert. Putain de poussouf de merde. C'est assez chaud ça. Ouvrir la porte là en étant déguisé, vu qu'on peut pas le pétrifier, c'est un peu compliqué. Hein. Mais on s'en fout, on a réussi. Donc on y retourne. Normalement, là, c'est ouvert. Ah, c'est pas ouvert! Ah, merde! Qu'on a dit demi-guise. On va voir, genre, là-bas. Hop. Ouvre-toi, Avada Kedavra sur le préfet Poufsouffle et bam dans ta gueule. Ah bah je te jure, ce serait tellement bien si on pouvait faire ça, putain. Réveillon. Bah ça résolverait le problème. Hein. Au moins t'es sûr qu'il nous emmerdera pas. On a gagné une grande table pour la salle sur demande, parfait. Et une monture de merde. Au moins on a gagné un objet pour la salle sur demande. Alors, t'es encore là, toi, du coup. Donc là, on a du Alomora partout ici. Ok, on va voir là-bas, si j'y suis, pour voir. Alomora. C'est où? C'est là. Donc, on a déverrouillé la serrure. Parfait. Il est où le préfet? Il s'est remis là-bas, et c'est pas le même. J'adore comment ce jeu est bien buggé. Réveillon. C'est là ou c'est là? Alors ça c'est un professeur que j'aime bien, ça, tu vois. Ça, c'est un professeur que j'aime bien. C'est chez qui, ça? Abraham, chéri. C'est qui, Abraham? J'aurais été ravi de voir que les enfants du coin se sont mis à jouer au baf-boule dans la rue, juste sous ma fenêtre de ton bureau. Je veux dire qu'ils sont charmants. J'ai remarqué que le plus jeune n'avait pas son matériel de baf-boule, alors je lui ai prêté le tien. Je sais que tu m'aurais approuvé. J'espère que tout se passe bien au château, je suis soulagé que tu sois arrivé là-bas sans encombre.
C'est terrible ce qu'il s'est passé avec cet homme du ministère. Voyage-t-il vraiment avec Eleazar ? Et une jeune personne, c'est épouvantable. Écris-moi quand tu auras un instant, j'ai hâte que tu me dises tout sur les participants au plateau d'attraction cette année. Tes élèves doivent t'adorer. Avec tout mon amour, M. Ah bah c'est le professeur de magie. C'est un serpentard, le professeur fou de magie. Ok. Bah il a raison, j'aime beaucoup sa déco. Revelio. Alors on a ça, on a un truc là, je sais pas pourquoi il a une armoire à épouvantard. Ok, c'est dans la salle d'à côté du coup. C'est à dire dans la salle d'à côté, mais j'ai que Alomora niveau 1 pour l'instant. J'ai que Alomora niveau 1. On va continuer à grimper. Revelio. Décevant. Oh putain, c'est professeur Sharp. Vraiment ? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodèle. Oui, bon, il est encore tôt. Et ils ont le temps de s'améliorer. Vous dites cela chaque année, Mathieu. Oh putain, merde, c'est là. Oh putain, il y a un livre. Ah, il y a trop de trucs. Ah, attends. D'abord le livre. Action. Ok, ensuite. Revelio. J'arrive à le choper. Il y a quelqu'un ? Oui ! Non ! Dommage ! Transgresser sans cesse. Putain, on va réessayer, c'est pas grave. Faut que j'arrive à récupérer cette putain de page. Au moins j'ai la page du bouquin. Avec Axio de loin. Ah, tu peux récupérer les pages comme ça avec Axio? Ok. Voilà, du coup, ça c'est bon, c'est ouvert, ça ok. Ah bah ils sont plus là. Bah parfait. Revelio. Carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire de Fidji. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créée par un sorcier fou près de Versailles. Ça me va plus ça. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs qui ont emporté avec eux l'éblouissante carapace. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Ok. Donc ça c'est niveau 3. Revelio. Ah, y a encore le gling hein. C'est là-haut je pense. Celui-là on a rien. Ok, donc là on a un connard de chez Gryffondor. Oh merde, il revient. Cachons-nous. Si je bouge pas, il me verra pas. Ça va, il est teubé. Ok, alors, là on a une page. Revelio. Et donc tu me dis ça, avec Axio on peut les récupérer du coup. Attends, je vais tester. Ok. Ah oh, ça c'est chambé ça. Boris le Hagard. Cette statue de sorcier à l'air perdu, connue sous le nom de Boris le Hagard, déconcerte les élèves depuis longtemps. Vient-il d'arriver ou est-il sur le départ? Est-ce en début ou en fin de journée? Le mystère reste entier. Ok. Donc là on a ça, ça veut dire qu'on a une clé qui est pas loin. Ce doit être la salle de bain des préfets.
Ok, on va attendre que lui y revienne. Je vais pas l'ouvrir de suite. J'essaie de trouver d'abord la... Il s'est barré de manière définitive ou il va revenir ? Ah, la clé, elle est là. Donc, la clé, je vais la faire venir. Ouais, parce que là, il y a des trucs à faire. Oui, ça marche, je suis ténor, mais je voulais voir si c'était cool ou pas, tu vois. Parce que j'avais jamais essayé, du coup. Donc là, ça veut dire qu'après cette clé-là, il m'en restera plus que un, au final. Plus qu'un jeton à choper. Il me restera plus qu'un seul jeton à choper. Mais du coup, toi, petit préfet, comment je fais pour te faire dégager d'ici ? Va regarder là-bas. Va regarder par là. Alors ça, je sais que je peux les allumer. Et du coup, tu m'as dit Axio. Ah ouais, ça c'est pratique de fou par contre. Allô, Mora. Ça par contre, ça va être pratique de fou. Alors, le truc là, il est là. Ok, et en haut. Ah mais là il y a tout un délire avec, le, avec l'horloge là. Il est parti où le con? Il est parti là-bas. On montera après en haut. On va descendre un peu. Et voir ce qu'il y a dans cette partie-là du château. Retourner dans la zone de quête. Fait chier. Ça faut que j'y retourne la journée ou la nuit quoi. Ok, ça marche, j'ai compris. Est-ce que je peux au moins monter, peut-être ? J'y retournerai plus tard, là. J'y retournerai pendant la journée. Allô, Mora. Hop. Ah, Lomora, c'est... Ah, Lomora, c'est charmé, hein. Revelio. Préfet de Poufsouf, quoi. Allô, Mora. Je vois pas pourquoi les préfets ils nous laissent pas vagabonder la nuit dans le château en vrai. La salle de bain des préfets, elle est quand même vachement plus stylée dans le film. Hein. La petite statue de demi-guise au calme. Tu mourras jamais sans Kukai. Un truc dans les chiottes là. Le reste, ça doit être là-haut. Alors que j'y revienne ici pour aller dans la tour de l'horloge. Là. Infirmerie. Réveillez-vous.
Cette malicieuse fontaine de licorne ajoute un sentiment de sérénité et du calme à l'infirmerie de Poudlard. Ouais, bah on va TP infirmerie la prochaine fois et puis... Merde, c'est l'un de niveau 2. Je suppose que je devrais me remettre au travail. Ouais, barrez-vous. J'imagine que le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement déçus que le Quidditch soit annulé. Je voulais parier quelques galions sur Pouf Souffle cette merde. Saison. Merde. On lira après. Pas Serre d'Aigle. Je m'y connais en Paris, et Serre d'Aigle n'avait pas. Réveillio. Il y a un coffre là, mais il est bloqué par le truc de niveau 2 là. Oh, qu'est-ce que c'était? Comment ça, qu'est-ce que c'était? J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Quidditch. C'est un sport très honorable. Il représente tout ce qui compose la condition humaine. Putain de hippie de merde. Comment ça? Eh bien, tout le travail d'équipe et le fait de voler et puis le vif d'or, ça ressemble beaucoup à la vie, non? Oh, je devrais faire plus attention au prochain match. Enfin, s'il y en a un. Action! Ah! Vous m'aurez jamais! Ok, je me casse. Surtout que là, il y en a beaucoup, alors que je suis pas sûr qu'il y ait autant dans les films. Bah, non, dans les films, il y a beaucoup de robinets, tu vois, mais elle est bien plus stylée dans les films. Ah merde, il y a un connard. Tiens, va voir là-bas. Faut que je revienne ici. Non, des préfets. Ah oui. Ah, des préfets, si, il doit y en avoir pas mal. Des préfets, il doit y en avoir pas mal. Salut. Bonjour, monsieur Moon. J'ai les lunes que... Putain, le mec, il a peur des demi-guises. Par contre, voir un mec apparaître devant lui, il n'y a aucun problème. Courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Bah oui. C'est vrai que c'est intrigant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Ah bah, je veux savoir, il me faut des Alomora à bord. N'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. Pourquoi on a la dame grise qui passe N'oubliez et repasse pas comme ça là. Que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines. Répartis un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Il n'y a aucun problème. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide. En effet, apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alohomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. Rapportez J'ai eu les raison lunes. De vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Il faut lui en rapporter combien d'autres pour augmenter Alohomora? Professeur McGonagall. Ah, l'homme derrière les lunes. Il faut lui en rapporter 9 autres. Ok. Eh ben nous, on va continuer d'aller explorer un peu tout ça, là. On va continuer d'aller explorer un petit peu tout ça. Alors.
Alors, autant ici, c'est ok. Autant là, du coup, il nous manque des trucs. Réveillio. Ça, c'est une serrure de façon qu'on ne peut pas ouvrir. Et là, il y a encore des mecs, là. Non, c'est bon, là, maintenant. Réveillio. Ouais, là, c'est bon, c'est fini, je vais où je veux. Alors. Ah, il y a un truc, là. Ok, ça, je l'ai pas vu. La salle de bain des préfets est dotée d'une baignoire de la taille d'une piscine qui peut être remplie de savon enchanté et de bulles colorées, surmontée d'une superbe peinture murale représentant une sirène. Ouais, elle est quand même vachement mieux dans les films, hein. Ah, c'est une piscine qu'il y a ici, quoi. Ok. Tu peux activer tous les robinets, là, du coup? Ok. Ouais, il m'en reste 9 pour le niveau 3. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok. Ensuite, on a dit qu'on voulait aller visiter par là. C'est par là, il avait l'air d'y avoir des cadeaux, là. Déjà, on va descendre. On va voir ce qu'il y a en dessous. Réveillio. Il va y avoir des petites dingueries, là. Là, on a un petit coffre, petite page. Bien que les engrenages en mouvement des mécanismes intérieurs de l'horloge en dissuadent plus d'un, certains élèves en quête d'intimité trouvent refuge près des rouages. Ok, il y a des mecs qui se pécho ici, quoi. Donc là, il n'y a rien d'autre. On va descendre par là. Réveillio. Il a l'air d'y avoir de nouvelles pages. Par contre, là, je sais pas du tout où je vais. Ok. J'ai peut-être une idée. Ah, ça doit avoir un rapport. Ah oui, c'est vrai que putain, il y avait un truc à faire ici avec les statues. Faut que j'aille en bas. Il y avait un truc à faire avec les statues, je m'en rappelle, faut que j'aille en bas. Réveillio. Eh ben écoute, je pense que j'ai trouvé la dernière clé. Du coup, si je chope ça, ça veut dire que du coup, j'ai tous les jetons et on va pouvoir ouvrir le coffre. Ok, là, j'ai la clé. Là, j'ai la porte qui s'ouvre pas. Voilà. Donc là, on a un autre livre. Action. Ok. Je vais continuer de monter. Je vais rouvrir ça pour avoir le dernier jeton et je vais pouvoir ouvrir le coffre de Serpentard. Hop, les clés du dédale, c'est bon. Je vais pouvoir aller ouvrir le coffre de Serpentard, du coup, ça c'est cool. Réveillio. Donc ça, c'est encore une porte qui est bloquée à cause du mécanisme de l'horloge. Faut que j'aille le... Ouais, il y a un concept là avec le mécanisme de l'horloge, faut que j'arrive à comprendre l'énigme. Et je pense que c'est avec Wingardium Leviosa, du coup. Allô, Mora.
Revelio. Allô, Mora. Hop. Revelio. Donc on a toi. Lumos. Alors ça se situe où ça exactement? C'est dehors devant deux grandes arches. À mon avis, c'est pas loin, donc ça doit être dehors, dehors là, je pense. Revelio. Ah, il est là. Lumos. Ok. Bon, ensuite j'ai ça là. Là, il faudrait que je mette un cheval. Ça, je sais pas ce que c'est. Un candélabre peut-être. Je ne comprends pas cette énigme. Revelio. Je ne comprends pas cette énigme. Et je peux faire Arresto Momentum sur ça ou pas? Arresto Momentum. Oh oui, je peux. Ok. Donc toi, c'est la licorne. Ok, j'ai compris l'énigme. La licorne, elle est là-bas. Toi, du coup, tu t'ouvres. Revelio. Hop. Ok. Eh ben, il n'y a plus qu'à remonter. Hein. Ici, ça, c'était la salle de ça. Donc, il n'y a plus qu'à remonter un peu plus haut pour retrouver l'autre truc. Là, je crois qu'il y en avait une ici ou pas. Ouais, il y en a une ici. Donc toi, c'est la sorte de truc bizarre qui est juste au milieu. Donc il faut qu'on t'arrête là. Arrête au moment seul. Comme ça, là, tu vas t'ouvrir. Merde! Un peu buggé cette porte. Revelio. Au moins j'ai eu ça. Et du coup il y en a une autre là-haut. Il y en avait une autre qui était dans le coin là, non? Ah si, elle est là. Et donc toi, c'est la sorte de coupe chelou. Arresto Momentum. Revelio. J'ai gagné des ruines. Et coquillage gris. Ok. Et vu qu'il y a un dernier truc, j'imagine qu'il y en a encore un. Ah, ça doit être plus haut. Ouais, c'est ça, il est là-haut. Hein. Il est là-haut. Il est là, et toi, du coup, c'est le dernier, la sorte de truc de mousquetaire chelou. Donc, c'est le dernier là-bas. Qu'on va bien viser. Hop, et on va attendre que l'horloge revienne.
Arrête au momentum. Ça marche pas là? Ah ouais, non, d'accord. Faut vraiment que j'y aille. On va attendre qu'ils reviennent là-bas. Le pire des cas, je vais l'arrêter à cet endroit-là. Là. Hop. Comme ça, du coup, j'ai le temps d'y monter en deux spies. Hop là. Rebellio. Percer les secrets de Poudlard. Objet dorsal non identifié. Et voilà. J'ai percé les secrets de la tour de l'horloge. Donc, bah écoute, ça c'est good. Revelio. Et là, je suis à l'infirmerie. L'infirmerie, de toute façon, là, j'ai rien à y foutre. Eh bah écoute, voilà, hein. Il n'y a plus qu'à aller retrouver maintenant les autres trucs là. À aller se balader maintenant un peu partout et récupérer tout ça. Eh ben écoute, c'était cool. Si, ce qu'on va faire par contre, c'est vu que j'ai toutes les clés, on va aller rendre la quête des clés du Dédale. Donc retourner au coffre de maison. Se trouve où ma salle commune moi? Je vais retourner dans ma salle commune, mettre toutes les clés et on va voir ce que ça ouvre. Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. Ça y est, c'est le dernier jeton. Il est temps de voir ce qui se cache dans ce coffre. Bien, incroyable. Uniforme antique de la maison de Serpentard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attends, des gants. Faut que je les découvre, mais c'est surtout l'uniforme antique machin là. Merci. Merci beaucoup. L'uniforme antique, il ressemble à quoi? Parce que attends, déjà, enlevons ce putain d'écharpe et regardons l'uniforme antique à quoi il ressemble. Uniforme antique de la maison de Serpentard. Cette tenue de la maison est destinée au Serpentard rusé et ambitieux. Elle se fière quand on utilise les clés du Dédale. Ah, j'aime bien, mais elle est pas folle. Par contre, pour l'exploration, je la prendrai. Pour l'exploration, je prendrai celle-là. Mais elle est pas folle. Et par contre, pour partir en exploration dehors, je prendrai cette tenue. Et en vrai, ah non, tu vois, oh, celle-là est encore mieux. Celle-là est encore mieux pour l'explorer. Mais en vrai, on garde sur celle-là. Hein. Celle-là, elle est vraiment classe. Hein. Et on a dit petite écharpe du premier de la classe, là, hop. Ok, donc là, on va aller parler à la meuf, là. Bon, on va y aller à la patte, hein. Bon, il y a de la pâte. Hein.
Et du coup, est-ce que ça fait comme à Poufsouffle, si je m'éloigne et si je m'en vais? Ouais, non, ça la met ou ça la met pas, quoi. Ok. Ah, pas ouf la tenue, je suis un peu déçu quand même. Elle est stylée, elle est cool, mais elle est pas non plus exceptionnelle, quoi. J'ai un peu le seum. J'aurais bien aimé une tenue qui puisse où tu puisses aller en cours avec, quoi. Un truc un peu stylé, quoi. Moi, j'ai l'uniforme de la joute magique de la manche 3 et la cape dragon. Bah, la cape dragon, elle est cool. Elle est vraiment cool. Tu as réussi à suivre l'une des clés du dédale ? Ah bah, je les ai même toutes récupérées, meuf. En fait, j'ai pu trouver toutes les clés et j'ai ouvert le coffre de ma maison. Oh, formidable ! Qu'as-tu trouvé ? Il y avait un costume assez intéressant dedans. Superbe ! Merci beaucoup d'avoir percé ce mystère à jour pour moi. Je me suis toujours demandé à quoi menaient ces clés. Ah voilà, et fini. Et ben voilà. Voilà. Je vais aller me foutre dans ma salle sur demande. Et on va s'arrêter là. Hop. Salle sur demande. Et bien voilà. Bon, bah du coup, on s'est arrêté là. Hop. Bah le prochain live, du coup, on fera le cours des animaux fantastiques. Et on va... J'espère commencer à avoir du coup les animaux fantastiques dans la salle sur demande. Pouvoir commencer à s'en occuper. Ce serait quand même plutôt stylé. Moi, hors live, je vais faire les statues de Miggy's. Enfin, je vais essayer d'améliorer Alumora, ouvrir les trucs que j'ai pas fait et continuer à explorer le château. Hors live pour le coup. Histoire de rattraper un peu le retard. Le week-end prochain, le streaming. Oh non, avant. Avant. Je vais restreamer, je pense, du coup, soit lundi, soit mardi, je sais pas encore quand exactement. Mais non, ça sera pas le week-end prochain, ça sera bien avant. Il y aura un stream dans la semaine. Le week-end prochain, peut-être que je vais restreamer, je sais pas. Peut-être dimanche prochain. Mais non, ce qui est sûr, c'est que là, il va y avoir d'autres streams dans la semaine. Donc voilà. Bah sur ce, merci à ceux qui sont encore là. Merci à ceux qui sont passés, ça fait plaisir. Moi, je vous souhaite la bonne nuitée. Pensez à vous hydrater, parce que ça reste quand même vachement important.